Yo, alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager comment j'ai fabriqué l'instrumental trompette africano. Donc grossièrement, je vais te montrer chaque pattern, comment j'ai fait pour faire cet instru. Ok, donc on va commencer par le pattern brass parce que c'est l'instrument le plus utilisé ici. Tu vois que le BPM il est à 130, la brass a été beaucoup utilisée. Je crois que c'est même l'instrument principal de cet instrumental. Voilà, donc j'ai pris dans Purity. J'ai pris cette brassée piano, voilà. Ah, donc c'est cette brassée. Une deuxième brasse. Mais la deuxième, j'ai baissé complètement le volume. La deuxième, c'était juste pour renforcer un peu le côté basse de la chose. Mais sinon, la première, déjà, c'est suffisant. Voilà, tu vois. Ensuite, il s'agit de quelle note précisément? Il s'agit de D dièse. Voilà, et celle-ci, tu vois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à côté? J'ai créé une autre pattern, j'ai fait, tu vois. Donc c'est le même instrument. Maintenant je suis monté sur C dièse 4, voilà. Ensuite, tu mets une note en basse pour pouvoir jouer un peu une version d'accord, quoi. Donc, tu vois, c'est pareil. Voilà. Après, tu mets une note ici basse pour pouvoir rendre la chose plus intéressante, quoi, et un peu plus lourde, tu vois. Et après, tu laisses couler le truc. Voilà, donc après, il y a une autre version encore ici, une autre pattern que j'ai créé là, où j'ai plutôt monté ici, plutôt monté d'un octave, quoi. Tu vois. Donc après, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, tu peux commencer à mettre des petites percussions. Donc en ce qui concerne ces percussions, dans Hypersonic, voilà, toujours Hypersonic 2, j'ai pris ces percussions-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai disposé ça comme ça. Tu vois. Après, tu peux mettre des petits voix. Voilà. Donc j'ai mis de l'écho sur ces voix. Ensuite, tu peux mettre tes batteries. Des petits snares comme ça, tout simplement, ça dépend de toi. Tu peux faire ce qui te plaît, tu peux choisir les instruments qui te correspondent.
Voilà, avec lesquels tu t'identifies bien. Donc j'ai pris aussi une Snare dans Hypersonic 2. Voilà, donc il s'agit de ces Snare-ci. New Rock, voilà, tu vois. Donc c'est assez simple. Voilà, donc j'ai complété avec des snares, voilà. Tu vois. Tout ça, c'est juste pour créer une légère saturation, tu vois. C'est pas très important. Ensuite, j'ai utilisé ici un effet qui est assez important pour pouvoir mettre la puissance sur l'entrée. Tu vois, voilà. Donc, aussi avec un crash. Une basse, voilà. Donc, je crois que c'est une basse assez simple. C'est pas compliqué. Une basse de Purity, voilà. Donc tu vois, c'est très simple. Donc après, tu vas rajouter quelques petits effets comme ça, c'est pas compliqué. Voilà, donc après il y a une partie où tu vas mettre une guitare qui fait voilà cette partie-ci. Donc tu complètes après avec des snares, toujours le même snare de tout à l'heure. Donc tu peux prendre cette guitare ici dans Purity. Voilà, tu vois, clean, comme ça qu'on appelle ça. Si on arrive à la fin de cette vidéo, c'était pour le favor. Donc, si tu veux en savoir plus sur les instruments afro, je t'offre une série de vidéos de formation qui vont te permettre de pouvoir facilement t'améliorer dans tes différentes compositions sur FL Studio. Donc, clique juste dans le lien qui est dans la description pour pouvoir télécharger gratuitement cette série de vidéos. Sur ce, ciao!